beaucoup de réactions donc à ce décès. On va tout de suite rejoindre une grande amie de Paul-Oud, chroniqueuse également, Thérèse Parisien, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Madame Parisien. Bonjour, bonjour. Laissez-nous d'abord vous adresser nos plus sincères condoléances parce que, avant d'être un collègue, ça a été un collègue pour vous pendant longtemps, c'est avant tout, Paul, un grand ami. Oui, en fait, c'était comme un frère. C'est le frère, peut-être le frère que... Peut-être le frère que j'avais jamais eu. Peut-être. C'est quelqu'un qui était très important dans ma vie parce qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup ensemble et on a voyagé ensemble. Mm-hmm. C'était un ami. Un ami, c'est difficile d'imaginer qu'il n'est plus là. Et justement, vous avez travaillé beaucoup à la radio avec lui. Qu'est-ce que vous allez retenir de vos moments en ondes? Parce que oui, les moments que vous aviez, Paul et vous, en ondes, étaient très, très, très attendus également des auditeurs qui étaient de l'autre côté de la radio. Qu'est-ce que vous allez retenir de toutes ces années? Écoute, je retiens sa rigueur, sa façon de travailler, sa façon de vouloir divertir tout en informant. C'était important pour lui. Il était rigoureux. C'était quelqu'un qui travaillait très fort avant ses émissions. Mais quand il arrivait, il disait qu'il faut aussi avoir des respirations dans une émission. Et c'était extrêmement important pour lui. Donc, il y avait une façon d'animer. C'était un homme de radio, mais totalement un homme de radio. Et il y avait une façon d'animer qui était unique, à mon avis. Donc, ce mélange à la fois de quelqu'un qui était extrêmement sympathique en ondes et qui a envie de jaser avec tout le monde, puis qui a envie de raconter des affaires et qui a envie aussi qu'on apprenne des choses à travers ce qu'il avait à dire. C'était quelqu'un de très important pour la radio au Québec, vraiment. Et la relation que vous aviez également en ondes, il y avait beaucoup de blagues, vous vous taquiniez beaucoup, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Oui. Est-ce que ça, vous allez garder ces souvenirs-là à jamais parce que c'était une chimie dont on en retrouve peu dans le monde des médias? C'est vrai que c'est une complicité rare, ça j'avoue. Moi-même, dès qu'on s'est rencontrés, ça a cliqué. C'était une complicité rare, on s'aimait énormément et on se faisait confiance. Mm-hmm. On était en onde ensemble, on se faisait confiance. Il y avait quelque chose de réconfortant d'être en onde avec lui parce qu'on a fait des émissions des fois de 7, 8, 9 heures, des breaking news, là, on a fait ça aussi. Et c'était réconfortant. Et évidemment, cette complicité-là, ben là, il y a des journées où j'étais son faire-valoir, tu sais, il s'amusait à mes dépens. Puis quand tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose, disait mon grand-père. Alors, pour vrai, puis j'avais zéro problème avec ça, puis il rigolait. Tu sais, si je faisais une petite gaffe, là, il allait faire un peu de millage là-dessus. Et ça donnait une très bonne émission également. Vous l'avez dit, vous avez voyagé avec Paul également. Est-ce que Paul, qu'on connaissait publiquement et également dans la vie privée, c'était le même Paul? Il était authentique? C'était le même Paul, mais il y avait quelque chose dans la vie privée. C'était quelqu'un qui était quand même pas toujours drôle, pas toujours en train de rire, pas toujours, tu sais, il y avait quand même des préoccupations, il y avait des... Et il s'intéressait à tout. À un moment donné, il pouvait parler, il s'intéressait aux ouragans, il s'intéressait aux avions, il s'intéressait aux éclipses. Et quand on voyageait avec lui, je voyageais avec un homme libre, c'est-à-dire, j'ai voyagé avec lui, mais j'ai été à des spectacles avec lui. Puis, c'était un homme libre, c'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, il avait 8 ans quand il partait en voyage. Il aimait ça. Tu sais, il était comme libre. Il allait voir un spectacle, il était complètement déchaîné. Puis là, j'y disais, écoute, Paul, les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser? Il jouait de la guitare. On était allé voir The Who, puis à un moment donné, il jouait de la guitare, puis il faisait de la air guitare dans le Centre Bell. Et c'était le délire. C'était... Donc, il profitait de chaque instant, il s'amusait beaucoup. Et il m'a appris aussi beaucoup... Il m'a appris à respecter, tu sais, t'as des auditeurs qui t'écoutent, t'as des gens qui t'entendent, puis à un moment donné, tu rentres en onde et tu laisses tes problèmes à l'extérieur. Ça, il m'a appris ça. C'est-à-dire que des moments où il était préoccupé, perturbé par quelque chose, parce qu'on a tous des choses dans notre quotidien, et quand la lumière rouge du studio s'allumait, eh bien là, il allumait lui aussi, il rayonnait. Alors, le studio, c'était sa maison, c'était... un homme de radio exceptionnel, mais le studio, là, il était chez lui, il était confortable. Et la radio, c'était vraiment son métier, son premier métier.
et je sais que vous étiez très proche de lui. Qu'est-ce que vous pensez de la vague d'amour, tout ce qu'on entend, des éloges et des beaux commentaires depuis hier? Est-ce que ça met quand même un baume? Ça fait chaud au cœur de voir qu'il était autant apprécié? Ouais, c'est extrêmement touchant de voir et de lire tout ce qui se dit parce que tu te rends compte que, sans le beau dire, le deuil, d'ailleurs, j'offre mes sincères condoléances à toute sa famille, mais j'offre mes condoléances aussi à tous ceux qui l'ont écouté, parce que c'était un choc pour eux autres aussi. Tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui l'ont connu à la radio, à la télévision. Alors, je pense qu'on a tous vécu une très, très mauvaise journée hier. Et en terminant, le legs qu'il laisse autant à l'industrie des communications que le monde culturel, sportif, c'est qu'il était dans tous les domaines, au final. Oui, c'était une lumière. C'était quelqu'un de brillant qui rayonnait avec son savoir parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Il assimilait les connaissances de façon spectaculaire. Moi, je l'ai vu préparer des émissions, là, puis à chaque fois qu'il imprimait une page ou un article, je me disais, il ne regardera même pas. Il vient de l'imprimer dans sa tête. Il avait une capacité de générer l'information, de la placer, de l'analyser rapidement. Et c'était... Donc, on va garder de lui, je pense, l'image d'un homme brillant, l'image d'un homme drôle, qui a de l'humour, dans le sens où il aimait ça divertir la galerie, il aimait ça épater la galerie. Et c'était quelqu'un aussi qui était, je te dis, un homme de radio qui avait 1000 intérêts. C'est ça qui était extraordinaire. Il avait jamais... Il connaissait plein de choses, 1000 intérêts. Nous, on était partis en voyage à un moment donné. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un stade de baseball ou de football quelque part, là, j'avais droit à l'histoire, j'avais droit en quelle année, j'avais droit à des statistiques. Puis je me disais, à un moment donné, tu mets ça où? Où tu mets ça? T'sais? Et il y avait beaucoup, beaucoup de connaissances et il n'y en avait jamais assez. Il était toujours à la recherche de quelque chose. Il y avait toujours des projets. Il y avait toujours de la lecture, tu sais. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas d'sitôt. Et sa gentillesse également. Thérèse Parisien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir rendu hommage à Paulo ce matin. Merci à vous.